Now this is a story about how my life got turned upside down. And sit a minute right there to tell you, become the prince of a town called Bada. Dun, dun. Sans voix. Donc, Will Smith, son top film. Ah, retour sur sa cinématographie avec mes préférences. Donc, bon. Son rôle majeur, ça restait dans Le Prince de Bel-Air, regardez. Il y a Tatiana Ali en plus, il y a Jazz. Psh, ça. Très bon film, enfin très bon film, très bonne série. Donc là, on va parler des films. Donc là, je suis sur IMDb. On va regarder vite fait. Donc là, par exemple, Bad Boys, Raid or Die, je ne le mettrai pas dans le meilleur de ces films. Par contre, le 1, je le mettrais, donc on va dire, un grand classique. Donc c'est Bad Boys. Bad Boys 1, mythique. Il y a Teresa Randall, il y a Martin Lawrence, il y a Téa Leoni, il y a Chicky Cario. Voilà, c'est souvenir, souvenir. Hein. J'étais aux States quand je l'ai vu pour la première fois au Cénoche. J'ai pu briller auprès de mes. Mon correspondant américain, j'ai fait comme ça, j'ai dit, ouais, il est French. Je parle pas très bien anglais non plus, mais oui. Le 2, hein, la little box dans laquelle il faut mettre des mots qu'il faut plus jamais dire en ma présence. Genre flaccide, enfin, faut voir le film. Sinon, on continue. Bon, le 3 et le 4 sont pas terribles. Mais bon, ensuite. Bon, les films, mais j'ai pas vu, genre Concussion, j'ai pas vu, pareil qu'il est bien, mais j'ai pas vu, je peux pas en parler. Il y a Pursuit of Happiness, pareil, j'ai pas vu, pareil qu'il est bien, mais j'ai pas vu. Après, Aladdin, ça j'ai vu, il est pas terrible. 6 sur 10, j'ai mis, parce que j'aime bien Aladdin, tu vois. Mais bon, tant qu'à faire, autant regarder le dessin animé, quoi. Ouais. Après, il y a quoi ça? Un Suicide Squad. Ouais, ça, je connais. Ouais. Et Margot Robbie. Ouais, je connais. J'aime bien. Je vous invite à le regarder. Surtout quand il débarque sur la plage. Enfin, pas eux, mais enfin, passons. C'est marrant. Après, il y a quoi d'autre? Ouais, j'ai pas trop aimé Hancock. Pas trop aimé. Ça va, c'est pas horrible, mais bon. Par exemple. Un autre film que je pourrais citer, c'est Men in Black. Men in Black 1, tu sais, avec la petite fille blanche dans le quartier noir et qui veut lui tirer dessus parce qu'il faillit. C'est pas exactement ça, hein. C'est un peu plus élaboré comme rhétorique. 7 Pounds, j'ai pas vu par contre. Mais Men in Black 1, il est très bien. Après le reste, bon. Une fois que tu as vu loin, c'est bon quoi. I Am Legend, faut lire le bouquin. Même si le film, ça va, j'ai mis 7 sur 10. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? iRobot, j'ai pas aimé. Ali, j'ai aimé. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Un must, regardez. Dimanche, il passe sur Arte. Quoi d'autre? Ah ouais, Legend of Bagger Vance. J'avais oublié qu'il jouait dedans, c'est vrai. Matt Damon. Will Smith. Non, je me rappelle pas exactement du truc, mais j'ai bien aimé. Donc je vous invite à le regarder. Mais là, on va. Entamer le lourd, le Wild Wild West. Ça, c'est un excellent film. Il est excellent dans son rôle. Il y a Salma Hayek. Il y a toute l'ambiance de l'époque. Ah, c'est un bon film. Je l'ai vu au cinéma, je me rappelle. Et plein qui disent, oh, il est nul, machin, j'ai trouvé ça cool. Alors, en plus forte raison maintenant quand je le revois. Mais c'est un bon film, un bon petit film.
Enemy of the State aussi, c'est un bon film. Un peu complotiste, tout ça. Surtout qu'à l'époque, c'était en 98. Donc on avait le droit, c'était avant 2001, donc on avait encore le droit d'être complotiste. C'est un bon film, voilà. Ah oui. Indépendance Day. Ouais, ça c'est un bon film. Vraiment très bon film. Je vais pas spoiler, mais en fait il y a des extraterrestres qui arrivent sur la Lune, j'allais dire, sur la Terre. Et les Américains s'en occupent. C'est bon, ça c'est un bon film. Ouais, et là je vois Bad Boys, je lui ai mis 9 sur 10. Excellent film. Ah, franchement, regardez-le, vous regarderez pas. Après, je sais pas si j'ai tout évoqué, j'imagine que oui, parce qu'après ça retombe. Ouais, voilà, on retombe sur Fresh Prince, sur. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires. Ça mange pas de pain. Ouais. C'est un bon acteur, hein, qui. Voilà. Moi j'aime bien. Allez, ciao. Bonne nuit.